Jackie en parlait tout à l'heure, de l'ambiance de la Méno, du public strasbourgeois. François, aujourd'hui, on le sait, hein, la Méno doit être rénovée. Il y a un projet d'environ 100 millions d'euros, 5000 places de plus. Et puis, ben, les gens sont assez mécontents au final, parce qu'on estime que 100 millions pour 5000 places, c'est trop cher. Est-ce qu'on doit le percevoir comme ça, ou est-ce qu'on doit percevoir le projet dans sa globalité? Des coursives qui vont être aménagées, des espaces de jeu, enfin, voilà, des choses qui seront pour la famille à la Méno. Non, moi je pense que le projet qu'ils ont, il est sérieux déjà, il n'est pas démesuré. Parce que l'année où le Racing a connu ses heures les plus sombres, il y avait quand même un projet sur la table de nouveaux stades qui pour moi était démesuré. Quoi. L'Eurostadium. Ouais, c'est ça. C'était au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Là, je pense que tout est fait vraiment avec la tête sur les épaules. Donc après, c'est sûr, on n'aura pas le plus beau stade de Ligue 1, clairement. Mais il y aura une tribune qui va être rénovée, le stade va être réaménagé et l'espace autour du stade, je pense, deviendra plus plaisant. Tu disais tout à l'heure qu'on se rapproche un petit peu du modèle allemand. Les Allemands, ils n'ont pas nécessairement des stades de 70 000, 80 000 places. Certains, oui. Certains, oui. D'autres, non. Mais quand bien même, ils agencent bien tout ce qu'il y a autour du stade. Il y a vraiment, pour y aller régulièrement, il y a de la vie autour des stades hein, et c'est facile d'accès. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, Jackie ? Bah, l'accès, je crois que ce qui pénalise la Méno, c'est justement l'accès. Ouais, c'est vrai qu'en Allemagne, moi, je suis allé voir plein de matchs en Allemagne. En Allemagne, avec nous, on... Sortie d'autoroute. Voilà. Je suis allé au Bayern il y a 3 ans. Je suis sorti, j'avais l'hôtel au centre-ville. 10 minutes après la fin du match, j'étais pratiquement à l'hôtel et on est engaré dans le parking du stade. Quoi, je veux dire. Là, on a du retard, mais c'est vrai que le nouveau stade, ça fait longtemps qu'on en parle, hein, à l'époque où... Proisy et les Américains sont venus, ils ont vendu à la mairie de Strasbourg un nouveau stade avec cinéma, hôtel, restaurant, tout ce que vous voulez dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je trouve c'est bien de restaurer la Méno et de rester à la Méno parce qu'on voit tous les clubs qui ont fait souvent des stades de 25 ou 30 000 places, ça c'est pas forcément toujours une bonne idée, ça se passe pas toujours bien. Et la Méno, c'est la Méno, Le problème, c'est l'accès et repartir après quand le stade est plein, comme il est plein tout le temps. Quoi. Une petite question pour Jackie, elle n'est pas notée, elle arrive. À l'époque, quand vous étiez au Racing Club de Strasbourg, que vous voyez arriver sous l'air Roland Véler, derrière il y avait McCormack qui arrivait, comment est-ce qu'on vivait ça de l'intérieur ou en tout cas dans un microcosme assez près du Racing Club de Strasbourg? Bah, quand je vous ai parlé des projets qu'il y avait pour le stade, ouais. il y avait les mêmes projets pour l'équipe, pour les joueurs, et les mêmes projets pour l'entraîneur. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous savez ce qui va arriver, quoi. Je veux dire, faut avoir un peu d'expérience dans le milieu et on sent tout de suite qu'on n'est pas, celui qui convient et que ce qui a fait que j'ai duré quand même un petit peu de temps avec l'équipe, c'est qu'on était qualifié en Coupe d'Europe et qu'on a éliminé quand même Glasgow, qu'on a éliminé Liverpool et il a fallu attendre un petit peu pour me dégager, quoi. Mais tout était Mais bon, j'avais assuré mes arrières avec un contrat de longue durée comme éducateur. Et c'est là que j'ai découvert le centre de formation et le recrutement. Quand Marc Keller est revenu, j'ai retrouvé quand même une certaine assise et une certaine sérénité.